Et bonjour à tous. Bonjour tout le monde, c'est Doris et Kisoga et on est là aujourd'hui pour présenter, pour commenter le speedrun présenté par Coxla et Kantos, qui sera donc c'est Beatable Clizard, c'est ça si je me souviens bien? Voilà, Quai Ordre. Bon. Les noms en français, c'est toujours très sympathique. Voilà. Donc, achevable seulement avec les ordres. Ok. Donc, une petite case sanity. C'est bien expliqué. Voilà. C'est achevable seulement. Pourquoi, avec quoi, comment? C'est Donc, magique. si je me souviens bien, achevable seulement, ça veut dire qu'on ne récupérera pas tous les objets. Je ne sais D'accord. plus exactement c'est quoi la règle. Alors, on va demander la participation au chat pour du côté de Kantos. Arrivé à un moment, vous allez avoir en bas, pour ceux qui ont connu, pour ceux qui ont le permis, qui ont l'âge, hein, vous aurez donc en bas, vous devrez taper A, B, C ou D. Dans cette situation-là, qu'est-ce que je fais? Je vais à droite, je sors, je meurs, je contacte SFR pour ma connexion. Voilà. D'accord, donc comme l'expliquait Cruzeline, les objets non nécessaires peuvent être bloqués. Donc on peut avoir une série d'objets qu'on ne pourrait pas avoir, justement. C'était la réponse C. Je meurs. Je suis encore sur ma blague. Hein. Tant qu'elle n'est pas terminée, moi je la continue. Je la maintiens en vie. Même si elle est sous respirateur, je ne débranche pas. Par exemple, les bots sur la bibliothèque. Ah! D'accord. Ok, oui, les bots sur la bibliothèque. Ouh, c'est Oui, donc on peut avoir les bottes bloquées par les bottes ou l'arc bloqué par l'arc, des trucs assez amusants. Oui, amusant pour parler autre chose, quoi. Pour les spectateurs. Ah oui, pour les runners, pour ceux qui ne font pas ce genre de run, voilà. Pour ceux qui font pas ce genre de run, ça peut être amusant. Pour ceux qui se lancent là-dedans, c'est une run spéciale cuir moustache, quoi. On est d'accord. L'arc est requis pour la montée de JT et le grappin aussi. Oui, pas faux. Il y a une salle où il va falloir tuer des monstres tuables seulement avec l'arc. Et le grappin, il faut franchir le trou à la suite de Moldorm. Donc effectivement, l'arc et le grappin sont deux objets requis. Après, Mais on peut parfaitement avoir un arc dans GT, histoire de pouvoir franchir cette fameuse salle. et on peut ne pas avoir besoin de comment ça s'appelle? On ne peut ne pas avoir besoin de grappin, hein, que une run qui a été perdue comme ça, parce qu'ils ont voulu, il a voulu passer le troll d'orme de Ganon à la bombe. Ah, comment ça s'appelle le troll d'orme? Bref. Akaïdine le sait, ça l'a fait gagner. Voilà, le troll d'Orm Bones, merci. Ouais, j'en ai entendu parler. Ça consiste en fait à se faire éjecter par le troll d'orme par-dessus le trou, je suppose. Oui, sur ce que j'ai cru comprendre, parce qu'on n'a malheureusement pas pu le voir. Tu te fais toucher par le troll d'orme et la bombe qui te propulse sur la passerelle. Alors, typiquement des clés pod dans le maze de pod. On sait que le maze armless, des 4 chests et allemands n'ont rien. Oui, parce qu'étant donné que tu ne peux pas accéder au BK,
tu ne peux pas accéder au maze. Ouais, bah, dans tous les cas. Et tu ne peux donc pas accéder à Elma, donc tout ça, ça ne serait pas... Il y aurait des trucs, mais ça ne serait pas utile. Ouais, d'accord. Il y a quand même une mini-logique où on a quand même besoin de l'arc du grappin et majoritairement... et du marteau peut être requis. Typiquement, on pourrait ne pas avoir les Fire et Ice Rod. Oui, s'il n'y a pas besoin de faire... S'il n'y a pas besoin de faire... Trainneck, donc Turtle Rock... Oui, je me rappelle... On sait que Swamp et Pod ont besoin du marteau pour être complétables. Turtle Rock aussi, puisqu'il faut l'ouvrir. Et Ice Palace, il faut accéder à la salle du boss. Donc on a besoin aussi pour ces deux-là. Oui, donc ouais, le marteau est effectivement obligatoire. Vu qu'on est obligé, le petit Trix pour pouvoir passer sans le marteau n'est pas autorisé dans ce tournoi, dans Swamp Palace. Donc effectivement, trois marteaux le marteau est obligatoire pour ces quatre donjons. On pourrait avoir de la chance et se dire la run est dégueulasse. Ils peuvent l'utiliser, donc finalement il n'y a que trois donjons qui y ont accès. Et donc on peut profiter donc de ce moment-là. Mais ça, on va pas changer les règles tout d'un coup pour une run, tout ça, parce qu'ils ont décidé de se faire du mal eux-mêmes. Et j'ai l'impression que Coxla et Kantos sont tous les deux prêts. Oui. Donc on va juste attendre qu'il démarre. Donc les petites ailes de la fée du côté de Kantos remarchent, donc ça y est, il a terminé son code de la route. Et sinon, je vais faire quand même une remarque, c'est on a le droit à quel MSU? Ça me dit quelque chose ce MSU? Alors, c'est du côté de Coxla, c'est le MSU de Mario Odyssey. Ah oui, donc celui-là, c'est celui quand on est dans... Oh là, on va pas rentrer là-dedans. Mais c'est une ville qui est sympa à visiter. Voilà. Par contre, celui de Kantos, je suis incapable de lire son bazar et je ne connais pas. Non, ça me dit rien du tout non plus. Bon, ouais, ça va être trop rare. On le banne lui. Je pense que c'est une bonne idée. Moi j'aime bien ce genre de personnes. Non, c'est toujours. Ils sont toujours sympas. Ils mettent toujours de l'animation. Comme quoi. Le premier terreau a pas suffi. Le deuxième. C'est quelqu'un qui a du temps à perdre, il va peut-être nous créer un troisième compte. Je le sens, lui il est motivé, lui. Bon, il n'y a pas à s'apesantir là-dessus. Je suis désolé, c'est mon côté streamer, moi je les aime bien ceux-là, moi c'est marrant. C'est ma petite Madeleine, tu vois, c'est mon petit café le matin, ceux-là, tu les moi, prends, ça, tu les... Moi c'est mon côté spectateur, clic droit, signaler et... N'hésitez pas à signaler ce genre de personnage. Moi, c'est signalé, je m'amuse 2 minutes et c'est banné. Hein. Ah, voilà, ça commence. Enfin, les choses sérieuses. Alors, la classico. On va au château. Alors, Kantos ne prend jamais la pancarte pour toujours lui mettre deux buissonnades. Il fait de la buissonnade, il fait de la salade. Et ça, deux fois que je le vois faire, et deux fois qu'il se fait bully.
Donc on a le droit à des rubis. Voilà. C'est un ennemi. Ça, c'est le tout premier pack, donc un ennemi. Et donc, l'oncle, lui aussi, a des rubis. Ah ouais. Voilà. En plus, on a les bombes. Donc comme ça, on peut aller directement au village. Donc bon, bah alors... Bon, c'est le début, hein. Le début, ça va se suivre majoritairement, donc... Donc là, on va pas s'embêter avec tout ça. Donc on a quoi ? On a le vendeur de bouteilles qui est accessible puisqu'on avait 100. On a les bombes. On a 3 bombes. Il en faut combien de bombes ? 1, 2... Bah, 3, c'était bon. 3, c'est bon. On a le... On a la hutte des voleurs. On a... Comment ça s'appelle ? Donc on a le puits, on a la maison aux poules, et c'est tout bon. Mm. Donc Kantos qui refait le... D'accord, oui, qui avait refait le non, pain. Il a refait le pain tout à l'heure, il a refait son poultry. J'ai pas vu... Ok. C'est une petite clé. À se mettre ça en tête. Donc, de toute façon, ils vont sûrement faire aga. Une petite clé, tu peux pas laisser une petite clé comme ça, vagabonde. Y a eu une hésitation de la part de Coxclan, mais je pense qu'il va le prendre quand même. Ben en fait, je pense surtout que l'habitude de faire une montée-descente comme ça, il a pas dû faire attendre, il a pas vu, il s'est rendu compte à ce moment-là que ben, c'était une... qu'il n'a pas fait gaffe, donc c'est pour ça qu'il a perdu une petite seconde. Parce que j'ai regardé son écran, je l'ai pas vu. C'est en fait au moment où il a redescendu, en fait, il pensait de rien avoir. Oui, il a hésité, il a fait un petit aller-retour. Et comme on dit dans le chat, c'est étant donné qu'on est sur du achevable seulement, il est possible que ce soit une petite clé d'Aga Tower. Donc on peut être dans un des cas où Aga ne serait pas repris parce que la petite clé de Aga Tower est bloquée par Aga. Oui, bah, de toute façon, il faut deux clés pour Aga. Mmh. Donc à partir de là, on verra bien. On verra bien à ce moment-là. De mon côté, j'adorerais Aga, mais bon, on verra. Alors, clé de Dark Palace. La grande clé de Tower of Hera. Les palmes. Et la grande clé de Turtle Rock. On est gâté. Et une tour. Et une boussole de Skullpoon. Cox, là, chercher les ennuis, il s'est fait toucher. Oui. Donc, on va se taper du bip bip. Bon, ça va, il y a deux cœurs qui traînent ici. Ouais. Il y a plein d'argent dans cette cide. Ouais, ah ouais, la cide du pognon. Et il y a plein d'argent dans cette cide. Désert Palace et Misery Mayer. Rappelez-vous, soutien et amour à Kudzin, qui est notre tracker. Parce que les Clay Sanity. Et on a un vendeur de bouteilles qui a vendu 100 rubis pour 100 rubis. Ouais. Alors. Et donc effectivement, des bombes. Finalement, on n'a pas réussi à récupérer une quatrième bombe.
Et là, on va en avoir une dans ce contrôle-là. Ouais, bah, ah. Non, raté. Ça aurait été, effectivement, ça aurait pu être quelque chose d'assez drôle de descendre s'acheter des bombes pour en fait en avoir trois dans le coffre. Sachant qu'il est possible, vous savez, tu sais qu'il y a une petite maison tout en bas à gauche, et dans cette maison-là, il y a toujours des bombes sous les pots. Une petite clé sur ouais. La bibliothèque. Coxla, qui va peut-être gagner du temps. La carte, on la laisse. D'accord. Donc effectivement, comme dit Kefka dans le chat, il y a dans cette petite maison quatre bombes. Donc ça peut être un échange, un bon moyen d'avoir quatre bombes si on n'en a qu'une seule et qu'on n'a pas l'argent pour acheter des bombes. Bon, ça va, c'est la carte de Tifton. Donc après, c'est à voir si Kantos va se tenter un petit gamble à faire automatiquement Tifton. Mais ça lui fait gagner un petit peu de temps, malgré tout. Peut-être que, d'avoir skippé cette carte était peut-être une bonne idée. Bah après, ça veut dire qu'il va falloir rentrer dans Tiftone pour voir si c'est un pendentif ou un cristal. Non, je crois que dans ces modes-là, on n'a pas la lettre qui apparaît à côté de la magie. On n'a pas la lettre ? Okay. Je crois que la lettre n'apparaît pas. Mais j'ai quand même un doute. Kefka dit qu'il faut le finir. Tu l'as que si tu as la carte, merci. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, la mini Troll Door Cave s'est très bien passé pour Kantos. Et une Fire. Et première arme, Fire Rod. Donc, ça nous fait pas mal de petites choses. Sympa à récupérer. Oh, il a même pas. C'est vrai qu'il a même pas besoin de s'embêter. Ah, ça spam. Hein. Kantos, joueur de NMG, il spam les boutons. Or, petit tips, bourrez deux boutons et vous gagnerez un petit peu de temps sur la nage. C'est pas grand chose, mais deux bons joueurs l'un contre l'autre, ça peut durer bien. Ah, le clochard qui donne ses moufles. Ah, il va attraper froid le clochard. Oh, c'est pas grave, on a déjà fait les poches à tonton, on récupère les gants au clochard. Ah, ça va, on a un royaume à sauver. Hein. Ah, ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être des roues flaquettes, Kefka. Donc, Ice Cave, on a un quart de cœur. Un quart de cœur. Et une bouteille dans la... chez la fée, qui nous donne de la magie. De toute façon, Kantos n'ira pas... à pas faire donc la Ice Rod Cave avant d'avoir les bottes ou la flûte. Hein. À moins qu'il soit bloqué, qu'il lui reste plus que ça. Mais bon, en ayant vu ce que c'était. Une petite clé en hauteur de Zora. Effectivement, Cox là aussi bourre les boutons. C'est labourance de votre vie. Et une boussole. Donc, quelle était donc cette petite clé ? Ice Palace.
effectivement. Les très vieilles ampoules que j'ai de Trakenfield ne me remercient pas de ces terribles moments. Est-ce qu'il va faire le poultry? Il s'est pas fait toucher, non, il ne va pas le tenter. Je crois qu'il est à 4,5 sans s'être fait toucher. Mais je ne suis pas sûr de ça. Ça aurait été de la magie, ça aurait pu être quelque chose d'assez... d'assez fort sympathique. Mmh, effectivement, ça lui faisait deux recharges de magie. Mais là, avec la Fire Rod, normalement, il peut le faire sans problème. Et je croyais qu'il avait encore un... Je suis pas sûr, mais il est peut-être un shoot de Fire Rod, comme l'ennemi qu'il avait tué la première fois. Je suis pas sûr, mais à mon avis, oui, il avait ce qu'il fallait. Il nous avait pas donné d'indice sur le pack pool. On aurait peut-être pu, il aurait peut-être pu avoir le pack avec la magie. Bon, en attendant, les checks de Coxla lui ont fait donc se retrouver quelque peu derrière, mais la grande clé de Desert Palace. On a beaucoup de grandes clés, hein. Oui, ah, on les a toutes. Coxla qui va de suite faire back escape, alors que Kantos va continuer un petit peu. On va voir si c'est payant. Le marteau à back escape. Ben, ça fait déjà un accès Dark World. Ben, deux même. Donc de suite Hype Cave pour Coxla. Le petit bruit de tuyau de Coxla quand on change de... Et vraiment simple, quand on change de phase, c'est vraiment très sympa. Je sais pas qui a fait ce MSU, mais à mon avis, il a quand même bien bossé parce que... T'as tout qui est vraiment en ordre. Bon, faudrait que je me renseigne pour faire un MSU. J'ai des musiques du cringe, juste incroyable. Encore une grande. Dark Palace. Et 300 boulas. Bon, bah, ça va être une run grande clé, ça. Le champignon. Donc, Sanctuary, il va aller chercher son marteau. Il va surtout Kantos va aller chercher son marteau. Et Coxla va se renseigner pour les vertes. Donc Tifton et Eastern Palace. Pour les cristaux rouges. Pour les cristaux rouges, oui. Ça, c'est un bon truc à savoir, que lui donne les cristaux rouges. Donc on a le... On a le petit vieux de East qui nous dit le pendentif vert et lui qui donne les cristaux rouges. Et c'est vraiment très sympa à savoir. Donc maintenant, Kantos va aller voilà, à la house et va faire le même chemin que Coxla. Toujours hein, ce gain de petite frame. Donc là, l'a fait, Kantos le fait aussi. Save the frame, save the run. D'accord, donc la cleave directement. Il va aller faire quoi d'après Doc Oxlade? Il va aller faire... Ah, Sanctuary, il va aller faire la montagne, il va aller chercher le petit vieux. Oui, c'est bien possible.
Et il a le marteau. Il n'a pas les miroirs. Il n'a pas le miroir, mais il peut faire quand même pas mal de Bah, trucs. il y a quand même trois checks, oui, voilà. C'est déjà ça. Kantos va prendre des infos de suite derrière. Alors que les mecs de la fibre sont sur le trottoir d'en face. Donc d'ici 6 mois ou 1 an, ils traversent la rue. Ah oui. Le petit. Ah bah, en parlant de miroir. Oh. Et donc, il va aller à Tifton. Oui, c'est vrai qu'ils vont quand même beaucoup rester à être en logique. Pour moi, en fait, faire le petit vieux, le petit vieux de suite est devenu vraiment quelque chose de logique, en fait, même si on est hors logique. Pour ça, je suis comme Kiachan, j'aime aller faire le petit vieux très vite. Bah, il donne accès très rapidement à la montagne via les Serenfruit, donc Oui. il est très intéressant. Et Ah oui, là maintenant, effectivement. effectivement, avec le miroir, il va aussi pouvoir faire Paradox Cave et tout ce qui s'ensuit. Mais effectivement, le petit vieux n'est pas en logique à cause De la lampe. de la lampe. Alors, Kanto, c'est le champignon. Petite clé d'Hyrule Castle. Et 50 pour le champignon. Ouais. Alors, il fait le plein de potions, ce qui est plutôt bien. Moi, je suis un adepte de toujours avoir une potion sur soi. On sait jamais quand ça peut servir. J'aurais tendance à dire tout le temps. D'accord. Coxla. 5 heures Greenmail pour j'imagine. Oui. Bon, bah, 6 cœurs. J'aurais été tenté de dire qu'il allait vérifier le pet, mais il n'a rien pour vérifier. Pas d'épée, il fera pas mode. Ah bah oui, il a pas accès à mode. Il n'a pas accès à mode parce qu'il peut pas ouvrir la drap, enfin l'espèce de drap qu'il faut. Oui, les lières, ouais, ou les Oui, les rideaux. lumières, ouais. C'est vrai que c'est pareil. J'ai toujours en tête de me dire que t'as une fire rod, tu peux cramer les rideaux. Voilà. Une autre potion verte pour Kantos. Ah ben là, voilà l'épée. Donc là, Coxlav a ses deux items. Mais est-ce qu'il va prendre de... Ben oui, il est obligé de faire les coffres pour tout ce qui est clé. Le Case Sanity, ça mélange énormément de choses. On ne sait jamais où est-ce que ça va être. Et là, la poudre. Et comme il est encore du côté du village, il peut en même temps aller faire la chauve-souris. Et donc, on a Kantos qui, lui, va faire 4 fiches. On sait que Kantos ira très prochainement faire le. Faire comment s'appelle? Faire le gamin malade. De toute façon, maintenant, il a trois bouteilles.
Mais pour le moment, voilà, il va continuer à faire ses petits checks à droite à gauche. Il a assez d'argent, est-ce qu'il irait peut-être faire... Non, il va peut-être attendre de trouver le miroir avant de faire pod. Pod et Eastern d'ailleurs. Parce qu'il sait que c'est un... Il sait que c'est un cristal rouge. Et donc Oxla fait le cimetière. Ok, donc il va avoir le petit vieux de l'Est pour Kontos. Une map pour Desert Palace. Et le Green Pendant est à Ice Palace. Une clé de Castle Tower. Alors, Kontos, village. Voilà, Kontos va enfin village, va sûrement enfin aller chercher son miroir. Et. Un arc. Plutôt bien Coxla, ça, Bumper Cave. Coxla a localisé l'arc sur Bumper Cave. Alors... La question est, va-t-on trouver la carte ? Alors, après, est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le deuxième ? Parce que tout aussi bien, si la cape est tard, même pas... Ah. Même si la cape n'est pas là. Voilà. Si même pas, il se précipite, voilà. Même pas, il se précipite pour aller chercher le deuxième. Ça dépendra de leur épée. Est-ce qu'il y en a qui va vouloir jouer la C? Mais j'y pense, quand toi, c'est de suite allé dans le dark. Il n'a pas fait le gamin. Non, je crois pas l'avoir fait faire le gamin. Non, non, il est même pas parti raqueter le gamin malade. Sacrilège. Alors, Spectacular Rock, rien. Et en dessous de Spectacular Rock, de l'argent. Les silvers sont requis en logique. Je ne sais pas du tout, mais pour moi, s'ils sont requis, c'est uniquement pour Ganon. Donc, potentiellement, on peut avoir la cape dans Ganon Tower. Oui. On pourrait avoir la cape dans le gros coffre de Ganon Tower. Alors que les experts veulent déjà commencer un petit peu à se titiller. Hein, on voit déjà dans le chat les gens qui vont dire attention. Tu prêches le logique et tu fais de l'hors logique. C'est beau ça. Et pendant ce temps-là, Kontos, lui, est dans. Tifton. Et ben une tunique. Ouais, ben c'est pas. On commence à avoir pas mal de clés pour Dark Palace. Et une autre bouteille, on va avoir les 4. Ouais. Kontos, quand il fera. Quand il fera donc te refera, il aura sa quatrième bouteille. Alors qu'il a les bottes. Kontos. V'là les clés, v'là les bottes. Voilà. En mode initial D. Il se barre.
Ah oui, c'est impendante. C'est impendante. C'est un pendant. Alors que Trolldorm, fidèle à lui-même, a dégagé Coxla de deux étages. Par contre, Kantos, t'es presque full bouteille et t'oublies d'aller rendre service à un enfant malade. Et il y retourne. Et de deux. Alors, vous avez le droit de parier pour savoir combien de fois Coxla va tomber dans le trou. Et combien de fois Trolldorm va le dégager. Il me semble qu'il est même possible de tomber encore plus bas. Je sais pas, déjà que de tomber deux étages, j'ai envie de moi-même de tomber de ma chaise. Non, c'est le plus bas. Ok. Je pense que ce serait un petit peu méchant quand même de tomber plus bas. Je pense que là, le jeu, il respecte rien ni personne, je crois. Ça va, il s'est rattrapé. Et donc dans la bibliothèque, eh ben c'est encore du Dark Palace. Eh ben. Et Swamp Palace pour Coxla. Par contre, Kantos, que vas-tu faire maintenant? Il va s'occuper du petit vieux. Une carte sur l'île. Je pense qu'elle ne sera pas récupérée. Pire moment. Spiral Cave. Sans les bottes. Ça marche. Ça marche, je comprends pourquoi on appelle ça la marche de la honte. N'hésitez pas à venir sur le stream, voir les runs en direct. Le chat est souvent on fire. Comme au bout d'un moment, tout le monde finit par se connaître de la communauté. Il y a des petites blagues que nous ne pouvons pas dire en live. Ou des taquineries, mais vous avez le droit de bien rigoler. Alors, dans l'absolu, il me semble que si tu vas aller chercher les fées qui sont tout en bas dans le pot, ça fait trois étages. Et un compas de Stifton. Alors là, les compas, bon ben... Quand c'est dans les coffres, c'est sur le... C'est ennuyant, mais bon, au moins on les a. Bah, il faut le plus intéressant, celui de la GD. Et le meilleur objet du jeu... Le Bugnet. Et une petite clé de GT. Cette Paradox Cave qui était... satisfaisante. Voilà. Décide valider. Le seul, voilà. le fil à papillon, le seul objet qui permet de battre Aga. Tous les autres sont non valides. Le bugnet, en fait, c'est une pierre qui sert à attirer les insectes. C'est voilà. Les insectes positifs, les insectes rouges et les insectes bleus. C'est une pierre que, ben, si on voit la couleur, n'attirera que le... Je m'enfonce avec ça. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais avec ce genre de blague. Je vais pas suivre. faut pas. La quatrième bouteille de Kantos.
Il y a tout, hein. Il nous a fait une petite collection. Oh, joli move de Kantos qui saute par-dessus les flammes. Et Cox là, il va nous faire la... Oui, c'est ça. Il va nous faire le coffre qui est dans la crosse dans la dark room. Il va chercher ce champignon pendant que Kanto s'égalise le nombre de cristal. J'ai une grosse imagination, mon imagination est débordante. Je ne peux la contenir dans un être tel que moi. Il faut animer au bout d'un moment. Alors la différence entre Coxla et Kantos, c'est que Kantos va aller beaucoup plus vite pour faire sa, pour faire la montagne. Ouh, il a été bloqué pile poil là. Un peu plus et il voyait pas l'île. Oui. Ah, c'est vrai que Coxla n'a pas fait l'avant du château. J'ai eu un doute. J'ai pas voulu le dire parce que comme ils se sont suivis un petit moment, j'avais pas souvenir qu'effectivement Coxla n'ait pas fait le chemin pour aller voir la princesse. Qui finalement était dans un autre château. Voilà, comme toujours, comme la musique le dit. Bon. Orkontos va récupérer donc un petit peu cette montagne. Quelque peu. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, de toute façon, il a deux potions rouges, donc. Il a deux potions rouges, il a deux potions vertes, deux potions bleues pour Kantos. Bon, une de moins, forcément. En tout cas, très bien pour Cox là d'avoir mis ensemble donc la pyramide et donc le château. Mais il n'est pas parti chercher son champignon. Il va la récupérer en allant avec Catfish. C'est vrai que Swamp va pouvoir aider malgré tout, même s'il manque le. C'était le moment de déposer le champignon. Oui, c'est dommage. La Kantos va sûrement terminer Skullwood. Ah non, c'est un pendentif, Skullwood. Non, c'est pas. C'est un point d'interrogation. Alors que... Kantos va tomber sur son épée. Voilà, donc Kantos va pouvoir directement sûrement terminer Skullwood. Kantos qui rentre dans Skullwood, qui ouvre un coffre et qui sort. D'accord. Ben oui, là, il va de suite aller faire le... Et donc, Coxla avait bien oublié de déposer son champignon. Et il l'a vu. J'ai pas vu faire le Dark. Bon, sur le retour, ça mange pas de pain. Mais par contre, voilà. Ah non, c'est un pendentif, Skullwood.
Oui, est-ce que vous n'êtes pas pensif? Que l'eau dépendante donc il va faire les trois coffres, il va faire les deux coffres les trois coffres, il va abandonner sûrement. Oui, Il c'est ira peut-être même pas possible. voir le boss, de toute façon c'était quoi qu'il y avait dans la pièce du fond? C'était un cœur, je crois. Oui, c'était un cœur. Que va-t-il faire? Oui, il sort. Il reste quoi, Kontos? Ah oui, il va aller voir donc il va aller voir Bumper Cave, donc il va découvrir son arc, un de ses arcs. Voilà, qui est normalement les arcs qui nous montrent à chaque fois l'arc normal, parce que là le jeu nous a montré les six heures normales. C'est pas. Il n'a pas, il y a aucun des deux n'a d'arc, donc il nous montre l'arc normal. Si jamais un des deux avait l'arc, il lui montrerait les silver. D'accord. Il montre celui qui n'a pas. D'accord, je pensais que c'était le skin des Silver. Donc il a sa map donc de désert. On a eu combien d'objets dans Skullwood? Oh, beaucoup, beaucoup. L'épée, L'épée, le cœur. donc épée, un cœur, la poudre. Je crois qu'il y avait 20 rubis. Et puis de toute façon, on a le principe des Kisandi, donc Oui. on peut dire, Il y a 8 objets, nous dit le chat. Donc, de toute façon, les petites clés qui sont partout. Coxla va récupérer ses bottines. Alors que Kantos va nous faire Hammerpeg. Non, il peut pas passer. Non, Il va juste aller il faire peut pas. Batcave. Bah très vite peu, oui. Oui. C'est vrai que tous les checks sont importants en Case Sanity. Après, le plus gros a été fait, hein. À Kantos, il reste le Big Chest, Mot, et donc le coffre qui est sous l'entrée. Et Coxla, il reste le Big Chess et Mott. Oui. Que va faire Kantos? Ah, il n'y avait pas. Ah, il a une miroir, oui, de South Cave. Ah, ils vont commencer à devoir rentrer, je pense, dans. Il y a Swamp et Turtle Rock quand même. Turtle Rock. Il y a Swamp et Pod. Au moins, rentrer dedans, il y a quand même énormément de checks. Je sais pas combien on a de clés de Dark Palace, je vois 5. Ça commence à Beaucoup. faire beaucoup. Ben voilà. Pod pour Kantos. Ben, il fallait y aller au bout d'un moment. Comme tu disais, pile à l'instant, 5 clés.
Et vu le nombre de clés qu'on a eu récupérées aussi facilement, c'est garanti qu'il était intéressant d'aller le prendre. Et Kantos prend de la sauvegarde. Kantos joue très safe, deux refills de magie. Il est parti remplir ses deux flacons. Il récupère une fée. Bon, après, il a récupéré des flacons parce qu'il s'était occupé de ramener le champignon à ce moment-là. Donc, Coxla va faire Sauce Cave de suite derrière. Je pense que Coxla va faire directement les mêmes moves là, que Kantos. De suite après, il va à Pod. Oui, c'est bien possible. Et comme dit Paradox. Les pods et Dark Palace sont tous les deux vachement intéressants. Donc, vu qu'on a le miroir, autant faire les deux. Après, Kantos, voilà, va prochain glitch, sûrement. Bah oui, c'est le seul moyen de passer. Alors la prochaine glitch qui est pas compliquée, mais si on n'a pas l'habitude, les premières fois c'est choquant parce qu'en fait vous devez pas vous arrêter pour prendre la potion. Vous devez la prendre en marchant, en longeant le mur. Alors quand on n'a pas d'explication, qu'on voit juste quelqu'un le faire vite fait quand on nous dit juste tu n'as pas quitté le bord du mur, c'est vrai. Mais faut pas s'arrêter en fait. Allez. C'était juste. Ah, c'est. Donc, Coxla, que va-t-il faire? Va-t-il prochain glitch? Oh ben. Ah non, ils avaient. Moi, ça se fait que j'ai réussi à compter 4 popos alors qu'ils viennent de choper la quatrième. Parce qu'ils ont pas, ils les ont pas chopés dans le même ordre. Rappelez-vous, les enfants, un proviseur d'école disait que. Donc, c'est mal, vous voyez. Et tout pareil. Et là, tu fais quoi? Tu passes par le. Tu fais le bump ou tu rentres directement dans le maze vu le nombre de clés? Ah, je pense que je. Alors, il va encore. Il y a encore une porte à ouvrir en bas, je crois. Je pense que je bump. Hein. Je bump, je sauve une clé. Hein. Et on avait les moufles, les grosses moufles, dans la salle noire. Et voilà le. D'accord. Kantos qui sauve une clé, donc la big key, donc voilà. Et voilà oh l'arc. Voilà, l'accès à l'arc est là. C'est moche. C'est vraiment moche. Et donc, effectivement, Sanctu, voilà. Par contre, l'arc est pas en logique actuellement.
vu qu'il manque il manque la lampe. Oui. Donc la logique serait dans Swamp. Actuellement, hors logique, on a les gants et la cape, ainsi que l'arc. Et la grande clé de Tifton qui a été récupérée aussi. J'ai des doutes pour les gants. Ils sont tous les deux dans la salle noire. Les Ah uns, oui, oui. c'est vrai qu'il y a une torche. Oui. Il y a une torche pour les gants. Donc les gants, oui, les gants sont en logique. D'accord. Kantos qui s'amuse dans Tifton. Pendant que Coxla va donc Bah, il a terminer. récupéré. Kantos, il a récupéré la grande clé de Tifton, donc tant qu'à faire. C'est une grille pendante, le boss a peut-être quelque chose. C'est sur le chemin de son arc, donc. Alors, ça fait longtemps que le hookshot, que j'ai pas joué au jeu Vanilla. C'est les big chests de soin. C'est Non, Swamp, c'est ouais. ça. C'est Swamp. Tété et Cristal. Ah, c'est le cristal. Oui, c'est le cristal rouge. C'est lequel, le green pendant? On C'est a l'info, Ice. on a l'info. C'est C'est Ice. Ice. Je ne dirai rien là-dessus, Kratos. Très jolie sortie de cape pour utiliser dessus le bumper. Que va faire Coxla maintenant? Non, c'est Kantos qui a parlé à ce sera là. Il me semble que Oui, j'ai des Mais... doutes sur le fait que Coxlay soit allé voir, soit allé à l'est. Très beau blind de Kantos. Mais quel magnifique pendentif vert. Joli dash au niveau donc de l'escalier de Tifton. Bim, le petit ptérodactyle, il a pris pour tous les autres. Et Coxla retourne là-bas. Qui va terminer pod et va sûrement ben, de suite derrière utiliser son pour pouvoir faire East. Et à ce moment-là, il ira sûrement voir le petit vieux. Pense qu'il est allé le voir parce que sinon il serait pas. Il serait allé le voir à ce moment-là. Ah, j'ai des doutes. J'ai pas souvenir d'avoir vu.
part aller à la pyramide et faire donc tout l'escape, j'ai pas souvenir de l'avoir vu aller voir. Moi non plus, c'est pour ça que j'hésite. Et donc Kantos, il va par le Lightford. D'accord. Ok, donc Kantos décide de commencer par... Je pense qu'il va même... Il va même pas... Il va le terminer. Non, mais pour Dark Palace, il va pas y retourner. Bah, c'est un cristal, Dark Palace. Il me semble que c'est un cristal, oui. Sauf que ça m'étonne. Ouais, c'est même un cristal rouge. Si je me trompe pas. Normalement non. D'après le tracker, on se trompe pas. Bon, après, c'est pas le temps. C'est pas le temps que ça prend. Après, je suis tenté de dire, il est pas en logique. Au final, il n'y en a aucun des deux qui est en logique. Hein. Oui, effectivement, aucun des deux n'est en logique. La petite clé de Misery Meyer. La fin de. Peut-être que des fois la logique, des fois je comprends pas spécialement, parce que là, finalement, vu qu'ils ont la Fire Road, si aller faire le boss de Pod est en logique, c'est juste trois checks qui n'est pas en logique. C'est le Big Chest et les deux qu'il y a dans le Dark Maze. Sinon, c'est possible de le faire sans la lumière du moment qu'ils ont la Fire Road. Il y a un Mistrak chez Kantos. Je vais regarder. On va le voir de suite. Attends. Il a. Non. C'était pas. Attends, quand il est parti voir le vendeur de la. Il a fait le vendeur de bombes. Oui, c'est lui qui nous donne l'info des cristals rouges. Il a fait le vendeur de bombes. Et effectivement, dans son tracker, il y a le point d'interrogation sur Dark Palace. On verra bien. On verra de toute façon quand il récupérera. Hein. Il est déjà à la fin. Ouais. Il a mal track. Il a mis track Dark Palace. Ouais. De toute façon, Coxa est derrière. Hein, donc. Je suis pas sûr. Une master? Ben non, c'est un cristal. Mais tout court en fait, c'est un cristal tout court. Non, je parle de Dark Palace, je parle pas de. Je parle du donjon qu'a fait Coxla avant. Non, c'est un pendentif, enfin, c'est un cristal, Coxla l'a fait juste avant.
De toute façon, voilà, on a Kantos qui y va, donc. Oui, il y va. Il y va. Il va par le. Il va prendre le téléporteur et il y va là. Donc. C'est même bizarre, ouais, c'est bizarre que Kantos ne. Moi, j'ai un. J'ai vu un cristal à Turtle, je crois. Mais c'est passé vite. J'ai des doutes. Oui, ça change pas grand-chose d'aller à Pod après, mais c'est vrai que on a tendance à vouloir Optimiser le trajet. voilà, bon, c'est vrai, qu'est-ce que c'est, on optimise dans le dark, mais là c'est vrai qu'il pouvait de suite passer à droite. Ça doit pas faire non plus une différence énorme. Non, non, c'est pas énorme. Voilà, non, non, c'est pas. Pour De preuve, boss. bah, il y a pas grand-chose, mais on voit qu'il met un petit peu plus de temps pour faire les deux donjons. J'ai l'impression que Kantos joue très safe. C'est vraiment le troisième match. Terminer le. Qui c'est qui va. Ouais, parce qu'ils sont Qui c'est qui exécutés, va alors. gagner? Ah, ils sont ex aequo, ouais, hein, partout. Premier match qui a été gagné par Coxla lundi, si je dis pas de bêtises. Et donc, deuxième qui était avant-hier, mardi. Et donc voilà, là c'est le troisième. Et donc, comme on disait tout à l'heure, Coxla n'y est pas allé. Et c'est effectivement Tifton qui a le pendentif vert. Tu À vois, j'avais Ice raison, Palace. KFK. À Ice Palace. Je sais, je sais. Non, c'était Kratos qui disait que je suivais pas. Oui, ouais, voilà. 30 secondes, ouais, 30 secondes, une minute pour. Ouais, c'est. Ça fait beaucoup quand même. À ce niveau-là, 30 secondes, une. Alors, Cox là qui va sûrement aller faire Tiff Town. C'était bien. Ouais, c'était voilà, c'est bien ça, c'était bien le Red Crystal. Donc tout est bon. Tout a bien été rentré. Ils ont donc juste. Ils n'avaient pas l'info, ils se palassent, donc ils ont sûrement juste Gumball. Parce que je vois Kantos pas les l'avait. infos. À Ice Palace, Kantos l'avait. Il avait l'info? Il est passé à ce sera là Kantos. Mais je parle pas d'Espace, je parle de East Palace. Ah, j'ai dit S, j'ai East Ice, j'ai Palace, dit non, East. East Palace, personne ne l'avait. Ils avaient juste beaucoup de clés de Dark Palace à côté, donc. Kantos qui va de suite bomber la pyramide Fairy. Pas de grappin, bah faut alors le faire legit. Les shots de Koxla vont déterminer. Le gain de temps à rattraper.
Je me demande franchement où est-ce que se trouve cette lampe-là. Où le Bon, en tout grappin? cas, le grappin est là. Pendant un moment, je me suis dit que le grappin allait être caché quelque part. Et... Donc on sait que il faut faire ce trajet, mais par contre on ne sait pas où est-ce que se trouve le. Tu vas me dire qu'il va faire un gain? Bah oui, il y a une clé à Lumberjack. Une petite clé à Lumberjack. On va découvrir si Aga était en logique ou pas. Ah, il Tu leur as manque des une traînages. petite clé. J'allais dire, ils ont pas fait le... Ça a Ah pas fait le non, big chest. il va faire le. Il va faire juste les clés. Juste Non, 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 il faut qu'il fasse... Il faut qu'il fasse... Il y a toujours cette petite clé, on sait pas ce que c'est. Bah oui, Ça peut être une il petite faut clé la faire. importante, hein. Il faut la faire, absolument. Mais de toute façon, tu sais pas si Aga est en logique avant d'avoir fait Aga. Avant d'avoir récupéré cette petite clé. Ah non. Ah bah non, il le fait pas. Actuellement, Aga n'est pas en logique, c'est vrai, on n'a pas la lampe. Il n'y a pas la lampe. Ah, mais il y a un endroit, oui, il n'y a pas de... Il y a un endroit, effectivement, où on a où je me rappelle pas avoir vu de... Comment ça s'appelle? Je veux dire des bras zéro pour pouvoir utiliser la fire, donc oui. De torche, merci. Je crois même que j'ai encore des résidus de... Où est-ce que pourrait être cette lampe? Swamp? Enfin... Ouais, De toute c'est façon, Swamp. maintenant, il a le grappin, donc il peut faire entièrement swamp. Il peut faire Swamp, donc il va faire Swamp, mais bah, il a de quoi finir Swamp intégralement d'ailleurs. Oui. Ou Mott. Effectivement, Mott aussi. Ah mais là, il va, là, Kantos va rester sur ses cristaux. Ah oui. Il ira faire d'autres choses que sur le trajet. 1, 2, 3, 4, 5, Skullwood. 6. La grande clé de Skullwood était à Peckcave. Oh, cette petite clé de Grand Tower. Donc, y a un cristal, on ne sait pas lequel c'est. Okay, c'est un point d'interrogation à Swamp. Oui, on ne sait pas ce que c'est. Non, mais il y a tellement de checks. D'ailleurs, on regarde hein, dans Swamp, on n'a pas le C ou le P. Donc, Coxla livre le purple. Oui. Si. Oui. Comme dit Kuzlin, le hook était sur Pyramide Fairy. Oh, comme quoi Kratos, c'est pas qu'une seconde que t'as tourné la tête. C'était un torticolis, sûrement. faut que je mette mon téléphone en. En silencieux, c'est le nom de Mister LD qui me sert de sonnerie pour les messages, les notifs. Et Kantos qui noie la clé.
Oui, mais ça après. On sait que maintenant c'est plus trop un Voilà. problème. Il est. Pourquoi il n'a pas utilisé une. Je crois qu'il l'a pris. Il l'a pris J'ai pas peut-être. fait gaffe s'il a pris la clé. J'ai pas du tout fait gaffe. Il la noie pas, il l'a. Voilà, donc Oxlack qui rejoint Kantos dans son palace. Keto le Petite refera. terreur. Et le Et meilleur le Red boomerang. Boomerang. Oui, Coxa est effectivement sans grappin. Donc il n'aura pas le boomerang. Et il aura pas, il finira pas le donjon. Bah si, il aura le boomerang, mais seulement il va devoir Non, il ralentir. n'aura pas. Ah, il devra prendre un autre chemin. Ben si si, le boomerang est dans le, il est pas dans le, comment ça s'appelle? Il peut y accéder en fait en repassant par l'autre trou, donc il va juste devoir refaire Oui, il va le devoir chemin une faire. deuxième fois. Il va devoir faire le chemin de deuxième fois. Par contre, il n'y en a aucun qui, Kantos ne d'ailleurs donne pas à la bombe. Ah bah non, Encore effectivement. celui. Zéro diver donne. Surtout que Oh, celui-là, il ces n'est pas contre qui. vaches! Putain. Oh putain. Oh la blague. Oh la blague. Vous voulez faire entrer un glitch? Voilà, on vous bloque le glitch. Si quelqu'un peut clip, c'est joli. Il n'y en a aucun qui d'ailleurs donne, hein. Aucun des deux. Aucun des deux, non. Ah bah non, il peut pas. Il peut pas parce qu'il avait besoin de la clé pour ouvrir cette porte. Mais il reste une. Il y a une clé. Il y a une clé qui est sous un crâne, normalement. Ah mais non, il manque. Ben non, il n'y a pas besoin de Big Key. Faut le hook. Mais Kantos là, le hook. C'est pas. Ce serait pas un. Ils n'ont pas l'info. Donc peut-être qu'ils vont pas tenter. De faire ça sans l'info que ce soit un cristal ou pas. Ouais, voilà. Swamp pendante. Kantos a mis soin pendante. D'accord. Il l'a mis après avoir en plein milieu du donjon alors. Parce que quand il est rentré dedans, c'est encore un point d'interrogation. Non, non, c'est sur son tracker à lui, je veux dire. D'accord. Pyramide série pour Koxla? Oui, apparemment. Kantos a mis soin pendante ainsi que
comment s'appelle? La forêt en pendente aussi et Ice Palace en pendant de verre. Non, mais est-ce que le Woodon savait que c'était un... Je crois que le Woodon savait que c'était un pendant. Est-ce que le 12, il me semble que c'est bon. C'est désert... pas l'info. Et bon, il y a Ice Palace. Ice Palace, on le savait. Oui, bah, ben oui, moi, effectivement, paradoxe, et moi c'est pareil, hein, il reste quoi? Il reste... il reste un item... Un item et le boss. En plus de ça, équipé comme il est, c'est même pas le boss qui pose... Le boss, il est un peu long, mais c'est pas ce qui pose le problème. Bah oui. Donc un Turtle Rock. Ice Palace pour la carte. Coxlack qui va sûrement chercher juste ces deux coffres lui aussi. Après oui, comme tu dis, effectivement, bon, il peut peut-être y avoir quelque chose sur le piédestal. C'est pas dit. Mais ouais, il manquait quoi? Il manquait Itafuden Cave. Il manquait donc là où y a, où on passe à travers la cascade, donc une salle. Deux, bon, monte d'escalier pour prendre les. On reprend donc l'autre escalier. Trois. Le courant, quand on est amené par le courant, bah, il manquait quoi? 4 salles? 5 salles? Un truc comme ça, ouais. Et donc pour info, on a eu la grande clé de Misery Mayer dans Turtle Rock. Donc Coxla qui fait Super Bunny Cave. Suivi donc sûrement bah, de Hookshot Cave. Et il va ouvrir peut-être. Donc Kantos vole une clé. Il va peut-être ouvrir Turtle Rock pour Coxla. Parti comme il est parti, oui, il y a des chances qu'il fasse tort. Il peut pas faire totalement qu'il n'a pas la. Il n'a Ah, pas la mais somme oui, barrière. ah, c'est malin, donc on va le faire. Par contre, il fait autre chose que je... Ouais. Il a eu le goût choc après être sorti de Swamp. Et dedans. Ah, bah là. Bah voilà pourquoi est-ce qu'il a pas fait la. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait le boss de Swamp? Il n'avait pas la grande clé. Et une grande clé de Thor de Ice Palace. Bah, il n'y a pas besoin de la grande clé. C'est que pour le Big Chess, normalement. Pour le Big Chef, qu'est-ce qu'elle ouvre d'autre, la grande clé? Elle C'est ouvre que bah, la grande clé de Swamp que le Big Chest, je le crois. Big Chef, oui. Je pensais qu'elle ouvrait Oui. la porte derrière le Big Chef. Oui, quand toi ça fait Hookshot Cave. Paradec. Et donc, pas besoin. Oui.
Coxla va retourner terminer donc Swamp. Parce que de toute façon, je suis pas sûr qu'il lui reste grand-chose de plus à faire. À ce moment-là, c'est vite. Là, ça va être rapide. Hein. C'est. Ouh, il y a quelque chose sur le boss. Parce que Coxla, il va terminer. Hein. Là, il y retourne. Je pense que c'est pour terminer Swamp Palace. Tu retournes pas là-dedans juste pour. Oh, les flèches d'argent! Skullwood. Et désert. Et pas d'ice. Par contre, peut-être que le livre bloque ice. Ça pourrait être drôle. Kantos part pour désert. Non, sans pas là, celui aussi. Non, double magie. Je me rappelle pas, mais je pense pas non, que non. C'est ouvert. Non, non, il n'est pas. J'ai pas souvenir que ça allait l'ouvrir. Non, si quelqu'un veut faire un clic, c'est le moment. Kantos va faire bombo tablette. Et alors? L'abandon de Coxla. Il va pas être content quand il va trouver ce qu'il y a dans le coffre. Je crois que mon cœur s'arrête, moi. Mais surtout quand tu essayes comme ça, parce que le diver down à la bombe, c'est juste chiant. Pas compliqué, mais c'est chiant. Comme quoi, des fois, tu dis que voilà, même de bons joueurs, le diver down, des fois, c'est ennuyant. Attention. Cela ne laisse pas ressortir ses émotions avec des coups d'épée. Il y avait quoi ici? Récupérer des maps d'endroits que tu as déjà fait, c'est souvent embêtant. Alors, ce boss. Voilà. Est-ce que c'était le bon move pour Kantos de pas le faire? En tout cas, le boss passe pas au mieux pour Coxla. Oh, joli! Oh, par contre, cette fin a été jolie. Voilà, ouais, autant la phase grappinage. Donc c'était bien pendant. Et en plus de ça, ça n'avait rien donné au niveau. Donc Kantos avait raison. Donc Kantos avait raison de sortir. Le seul truc que ça a donné, c'est la Somaria. Il a eu Ice Rod. Torche de Desert Palace. Ok. Donc. Pour récupérer l'Ice Rod,
c'est Laser Bridge. Il faut Laser Bridge. C'est vache. Donc Turtle Rock et deep, double deep obligatoire. Ouais. Ils n'ont pas encore trouvé l'Ocarina aussi. Hein. Ils ont besoin d'Ocarina. Hein. Bah non, ils n'ont pas, ils ont pas l'Ocarina. C'est pour ça que je dis que c'est livre obligatoire. Ben non, Misery Mayer. Puis là, normalement, c'est un cristal Misery Mayer. Oui, mais t'as besoin de l'Ocarina si tu veux. T'as besoin de... Ah, mais non, c'est le miroir. Non, non, tu peux utiliser effectivement le miroir pour rentrer dans. Donc, effectivement, tu n'es pas obligé d'avoir le livre pour aller récupérer la Ice Rose. Ah, mais non, il te faut. Je dis ça, mais. Il te faut la flûte. Il te faut la flûte si tu veux pouvoir aller. Tu veux pouvoir aller à Misery Mayer. Ben, leur flûte est gommode. Enfin, tout du moins, la flûte est gommode pour Kantos. À moins que ce soit Quake. Parce qu'ils ne peuvent, peuvent pas accéder aux pendantes de comment ça s'appelle ? De Misery Mayer. Et j'ai pas fait attention aussi que Coxla avait récupéré Quake. Purple Chased. Comme toi, c'était dans un donjon, donc j'ai pas fait attention à la balade du Purple Chest. J'ai vu qu'il l'avait amené, mais j'ai pas fait plus attention que ça à ses moves. Alors là, Kantos, à la vitesse où tu es allé, perdu un petit peu les quelques frames que tu as gagnés avec le changement de monde, tu les as perdus en tournant autour avec la super vitesse. Mais effectivement, j'y ai pensé, mais ça aurait peut-être pris trop de temps de sauver le portail. Mais c'est pas simple hein, de sauver le portail si je me trompe pas. Ben je faut pas. Kantos va-t-il aller faire la lava chest? Oui parce que au passage, Kantos a volé la clé du lava chest. 30 secondes, je vais fermer la porte. Et la petite. Vous l'entendez pas, mais j'ai peur que vous entendiez la petite de la voisine d'en haut. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dans la VHS. Nul, rien. Ah, voilà, désolé. Donc ne jamais... Il faut mourir dans... Bibombe dans la VHS. Donc, pour conserver le miroir, donc pour conserver donc le warp, il faut mourir dans le Dark World. Jamais utiliser le miroir. Et il faut pas avoir fait Aga, je suppose, aussi. Il y a des chances. Parce que si t'as déjà fait Aga, tu te retrouves à
et tu te retrouves à la pyramide. Faudra que je teste parce que je comprends pas comment en mourant dans le Dark World tu conserves un portail dans le Light World. Parce que tu conserves le portail tant que tu n'as pas utilisé le miroir. Enfin, tant que tu ne l'as pas repris. Et comme tu meurs dans le Dark World et que tu n'as pas fait Aga, tu te retrouves automatiquement à la maison. D'accord. Ouais, ça ok. Au moment où tu meurs dans le Dark World, ça te crée un portail à l'endroit où tu es mort. Ok. D'accord, là je comprends mieux. Ah bah oui, il est allé faire Bombos Tablette. Donc en faisant Bombos Tablette, il utilise le portail. Il utilise le miroir. Les Silver Fox là, il va trouver le bouquin dans le prochain coffre. Et donc là, Kantos, voilà. La flûte. Donc il va faire effectivement le dernier. Le dernier coffre de Tower of Hera. Coca, oui, actuellement, Coxla sève le... Sève le miroir. Pas si j'ai compris. Non, tu es quand même pas tard quand tu dis mort. Donc il meurt pas dans le Dark World, il meurt dans le lait. Ok. Oh là là, le... Cette lance. C'est mal. Oh là 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 là, mais comment tu... Elle était où, la petite des Tower of Hera? Je sais même plus. Oh putain, je... Je sais plus du tout où était cette petite clé. Effectivement... Ice Palace peut avoir la flûte. Je sais plus. La petite clé, elle était pas à... Elle était au début de... Ben, mais elle était où? Je sais plus du tout où est-ce qu'elle était. J'hésite entre... Utshot Cave et comment ça s'appelle? Et Turtle. À ce niveau-là, c'est quasiment s'il faudrait pas le spoiler. On vient de voir les deux coups d'épée méchants de Coxlar. Les palmes, elles étaient village. Ouais, les palmes étaient vachement tôt. C'est quasiment un des premiers items qu'ils ont eu. La Moon Pearl était... Dans la forêt. Dans la forêt, c'était un mushroom. Je crois que les palmes étaient... étaient dans le village.
Si, si, il a fait, il a fait, il a eu le boss. Kontos a fini derrière Thalas. Alors que Kontos va check le piédestal. Flûte sur Ped, oui, c'est possible. Oh, ce serait sale. J'ai pas lu. No matter, vous retourne. C'est quoi? Je sais pas. Ah, le boomerang. Ah, le boomerang. Ah, le boomerang. Le truc bleu qui revient. Ok. Toute la montagne est derrière la flûte. Bah oui. Ben faut trouver la flûte. Donc la flûte pourrait effectivement être sur mode parce que ça fait des plombes qu'on peut la faire. Ah, oh, ce serait sale. La grande clé de Mott, on l'a eu où? Mais t'as pas besoin de grande clé pour faire Mott. Non, c'est juste pour savoir pour si ça pourrait pas être dans le coffre. Dans la montagne. Il me semble qu'on l'a dans Spike Cave. Je sais pas. Plus. Pas dans Skype, dans Outshock Cave. Non, oui, je crois que c'était Outshock, ouais. Mode n'est pas en logique. Non. Pourquoi? La Fire Rod, ils l'ont eu. La Fire Rod, ils l'ont eu vachement tôt. Ouais, le coffre, la Fire Rod était accessible. Et l'épée était dans... quoi ça s'appelle? Ah, ils ont et pas l'épée... les trois clés. Attends. Mais ils ont eu des clés vachement tôt, sachant qu'il y en a déjà... je crois qu'il y en a deux d'accessibles dans la... Je crois qu'il y en a deux d'accessibles comme ça, déjà de base. Ah, mais il y en a une en montagne. Oui, mais Cox, tu peux, vu que tu peux directement accéder à la fin. Cox là laisse son portail. Ah bah oui. Attends, il perd le portail ou pas? Bah, il est retourné dans le dark, donc oui, je crois. Je sais pas. Kontos va à Ice Palace. Ouais, bah comme on disait, la solution est dans Royce. Hein. De toute façon, il ne reste que ça. Hein. oui, il n'y a que ça. Je vois même pas quel check ils ont pas fait. L'appel. Mais l'appel n'est pas là. Oh là là, la flûte au plus profond des enfers, quoi. Alors, Coxla, où est donc cette flûte? Le suspense est intense. Une tamper. Ice Palace, hein, la progression assurée. Une armure, une épée. Il manque un bouclier. Hein. Joli, Kontos qui a bien pris son temps pour essayer de ce qui a réussi. Gagne un peu de temps par rapport à Coxla.
putain. Oh là là, la pire salle, vraiment. Ouais, donc il est vrai, il a vraiment envie de sauver son de sauver son Ah, portail. d'accord, c'est ouais, d'accord. Si tu recrées un autre portail, que ça te... Oui, c'est ça. D'accord. Ça y est, je comprends comment fonctionne le... En fait, tu as deux moyens de retourner dans le Light World, soit avec le portail, soit en mourant et en n'ayant pas tué Agar. Alors que Kantos a foiré son bomb jump. Je marquais ça sur un bloc-notes. Je lui enverrai... Oh, il va aller... Non, j'ai eu peur. Je lui dis, il va faire... Me dis pas qu'il va faire le boss maintenant. Alors, Coxla va gagner peut-être un peu plus de temps, là. Il va pouvoir rattraper du temps. Ouais. Parce que là, jamais. Mais Ice-T, là, le problème, c'est que Ice-T, c'est. Ice-T, c'est vrai, il y a toujours quelque chose. Oh, c'est Quake! C'est Quake! C'est Quake. Et donc Kantos est bloqué par Quake. Et Coxla est en commode. Oh là 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 là! Ah, quand toi, jamais quand toi se fait le purple. Jamais quand toi se fait le purple. Ouais, tu dis ça, mais là, il y va, hein. Non, là il va activer sa flûte et il va à Mayer. Il va à Mayer, il fait Mayer Shard, il fait checkerboard. Et il va faire toute la série. Et, le purple, bah, il va pas le faire tout de suite parce que c'est vachement long à Ah faire. non, Donc, c'est la dernière chose qu'il va faire. Ah, vous voyez la tête en décomposition. La tête en décomposition de Kantos. Quand il Or, va Coxla, il trace. trouver le Oh là 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 là, le moment d'arrêt. Donc on a quoi? Oh, aïe, 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 aïe. Une petite clé de Gallant Tower. Ça peut jouer aussi les petites clés de Gallant Tower. Ah, j'avais dit, hein, il y a checkerboard. Il prend pas le bouclier. Oh. Pourquoi le prendrait? Qu'est-ce qu'il lui reste à faire avant de faire Il y le va. Smith? Ah, le Smith, ouais, il n'est pas fait le Smith. Non. Il me semble qu'il l'a fait. Ah oui, t'as raison, il a fait le, il a fait. Ah si. Oh putain. Ah non, il n'a pas fait le Smith. Il n'a pas fait le Smith. Ok. D'accord. Donc ouais, là, d'accord. Là, il fait le Smith. Et donc, il a pas fait Hammer Peg. Et non, il avait pas fait Hammer Peg. Il était venu ici pour la poudre. C'est quoi qu'on avait déjà sous Hammer? Y a une chance. Il y a une.
Il y a une chance que Kantos arrive à terminer pas longtemps avant. Ah non, eh ben non, non, le Coxla a pris grave de l'avance, puisqu'il a gardé son. Il a gardé son portail qui va lui Il a faire. gardé son portail à Lazar Bridge. Ah oui, c'est pour ça que Kantos a sauvé la. A volé la clé de la Lava Chest. C'est parce qu'il n'a pas fait le Smith. Et donc il lui manquait une clé. Bon, au moins qu'il se passe quelque chose de très sad. Kantos, apparemment. Se fait éliminer. Oh putain. On a la grande clé de Gun Tower, on a une clé pour Coxla, trois clés pour Kondos. Gun Tower va être fait. Ouais, bah Coxla, Ah non. À moins qu'il ait un très mauvais Ganon. il va pas s'arrêter, hein. Ouais, non, non, bah là c'est fini, hein. Oh, et la fast strat, dommage. Et ouais, même le fait d'avoir fait Turtle pour Kantos, il va quand même devoir remonter tout là-haut. La Coxla, ça le amène directement dans le Dark World à la sortie, donc de. Ah, ça le ramène. Et ça le ramène. Ben ça le ramène où à l'entrée principale? Du donjon, carrément, Donc, ça. pour information, on a une prédiction actuellement pour savoir où est-ce que se trouve la Jetty Becky. Je vous laisse voter, allez-y, faites-vous plaisir. Bon, est-ce que le MPR va me porter chance? Oh là là, ah oh, dommage Quentin. Si on essaye de savoir à quel moment ça s'est joué à quel moment Oh, il n'y a pas un père aujourd'hui. ça s'est joué parce qu'il n'a pas fait le Smith en fait. Ah oui, joli. C'est juste le Smith. Je lis pas, moi. Moi, je suis le genre de mec qui vend son âme à Apple pour qu'on me greffe à d'autres humains pour créer de l'énergie à des tablettes. Hein. Eh ouais, ils ont la biquille. Ah là 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 là. Ben, vous pourrez le dire dans le chat quand ils vous liront dans 5 minutes.
Elle était déjà où la lampe? Elle était... Oh, je... Bekachest. Erra, Hera, mais oui, c'est Hera, c'est Hera. Erradic. C'était sur Hera Chest. Le sous-sol de Hera, ouais. Où Koxla passe vraiment un mauvais quart d'heure avec Trolldorm, Tempère. Ah, ça s'est joué un si peu. Ah ouais, Mais c'est le la plaisir, flûte. c'est la beauté des runs. La flûte dans Ice Palace, au final, ils ont fait tous les donjons. Ils les ont Mais... pas finis tous, mais ils les ont tous visités. Oh, c'était juste. Voilà. Ah, ça va se jouer à 2 minutes, hein. Koxla qui enchaîne les vitesses grand V. Ils sont vraiment pas loin l'un de l'autre, hein. Mais assez loin pour déterminer. Après, c'est comme tout. Ah là, ils sont à quelques salles de différence. Un aga capricieux. Et les gens se trouvent très vite l'un derrière l'autre. Finalement, Aga a l'air d'être bon seigneur. Quoique. Oh, ce Aga capricieux. Oh, joli trip sur la fin. Ouais. Ou double, je sais pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, il pourrait prendre tarif très vite. Et Kantos à mi-chemin. Il court, hein. Il court, le Kantos des bois jolis. Mais ça signe la fin. Ouais. Kantos qui donne tout ce qu'il a. Ah oh ouais. Ah ouais. Kantos, tu as des potions. Tu pouvais éviter ce petit désagrément, mais là, à la phase 3. Ce Ganon qui se fait Emperor's Sword, Silver, éradiquer. plus Ah, Flame l'armure Storage. rouge. Pas loin le Kantos, mais. Et le double. Ah, raté. Ah, dommage. Je me rappelle que je l'avais trouvé tout seul ce truc-là quand j'étais petit. J'avais trouvé bizarre qu'il n'y avait qu'une seule lampe qui s'éteignait. Et GG Koxla. Ben, GG Cox là. Oula. Et on passe chez Kantos.
Je comprends, c'est le MSU qui m'avait conseillé, Kantos. Ah, ça manque des émotes de chevelus qui font tourner des têtes. Alors, cette musique de barbare, il s'agit de un truc imprononçable. Bal de Skyheart. Voilà. Alors, je ferai appel à un modo pour les prochaines personnes qui se plaindront de la barbare. On critique pas le métal. Pas devant moi. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Quand on a le modo dans la poche, les goûts et les couleurs, on ne se critique pas. On sait qui a raison, qui a tort. Oui, c'est fort. Ça, c'est sûr. C'est pas une critique. Non, mais t'inquiète. Bon, ben... Et bienvenue à toi, Coxla. Ben, GG pour... Félicitations, Coxla. Tu viens de... d'éliminer Kantos. Ouf. Oh, je reviens. Ah. Au revoir, Coxla. Voilà. Et bonjour, Coxla. GG à toi. On refait une troisième fois? Tu viens d'éliminer Kantos et Kantos vient de terminer avec 3 minutes derrière toi. Ouf, quel seed. Elle était comment cette seed? Stressante. Hein. En fait, toute la seed, jusqu'à la fin, enfin jusqu'à la fin du coup non, mais j'étais persuadé que la logique de ma montagne c'était allant. Parce qu'il y a eu la cape, il y a eu la cape dans Pod, les deux arcs sont bloqués par la lampe, j'étais à un moment qui me donne la logique de tous ces trucs, ça doit être la lampe, mais... Tu veux savoir... Mais à un moment, quand ça commence à se refermer que sur... Skullwood Big Shed, je crois. Non. La lampe, non. Non. Ah non, elle est derrière la flotte, du coup. Elle est sous-sol, elle est sous-sol, sous-sol Torrentera, la lampe. Elle est dans sous-sol Hera. Oh, la petite clé, elle est en logique, c'est vrai. Oups, j'ai peut-être oublié ça, ouais. Mais non, attends, voilà. Non, c'est derrière la... Non, c'est derrière la flûte, non, encore. Oui, c'est derrière la flûte. C'est derrière la flûte, ouais, j'étais persuadé que j'étais derrière la lampe très longtemps, et puis à un moment, quand ça se resserrait trop autour de Ice ou des trucs nuls, c'était bien Ice Palace qu'il fallait faire en premier. Alors, ce qui fait la game, c'est Quake. Voilà, c'est ton purple chest. Le Quake sur Smith Chain, je me suis dit, ouais, peut-être. Voilà. Mais tout devenait tellement plus sale que je me disais, en fait, ça va pas trop jouer, il va faire la Smith Chain à un moment, il aura ses 3 médaillons, et pourquoi pas, mais... Bonjour, Kantos. Et salut, Kantos. GG. Yo, Kantos. GG. Ça joue pas grand, apparemment. Ah non, pas du tout. C'est Quake. C'est Quake qui te met dedans. Je m'en doutais. C'est dommage c'est parce que je pense que j'ai fait le bon play en allant dans Swamp. Cette Somariato. Ben, j'ai eu le grappin après. Très bon play, c'est du fait que t'es récupéré le grappin Pyramide Fairy. En plus de ça, avant d'aller dans... ça t'a permis effectivement de récupérer ce Maria assez vite. Mais ouais, voilà. Du coup, je me sentais bien. Derrière, je vais à ATR. Je chope Silvers, le livre qui me donne l'Ice Rod. Et puis, après, j'ai le choix entre Skullwoods et Ice. Je vais dans Ice.
Dans Skull Woods, y a rien. Je vais dans Ice, je trouve ma flûte, go. Soit 10 ans. Et j'ai Gamble, il y avait une chance sur 3, ben... Oui. Je me suis dit, si c'est bon boss... De très bon pace de Cox là aussi, d'avoir gardé son taille de la Spring, tu as fait gagner énormément de temps. J'ai essayé, mais... Je n'aurais pas le miroir, je pense que je perdais, il y a moyen. 2 minutes essayé, 30, il y a moyen que ça soit saut. Voilà, mais c'est le... Bon, le Purple Chest, le fait que tu aies fait le Purple Chest, t'as vraiment beaucoup aidé, mais aussi ce miroir à laser. Ça t'a fait gagner un temps pas possible, du fait que en terminant Trinex, tu retournes de suite dans le Dark World et devant l'entrée, tu gagnes un pas possible que Kantos a dû faire en remontant, en activant. Kantos, ça fait deux fois terre. Ouais. Non. Double du prêt. Ah si, oui. Ouais. Ah, j'étais persuadé que tu avais terminé. Ben non, puisque Ice Rod était à désert. Ouais. Alors, le chat était très animé avec tout ce qui était logique. Logique, c'était un câble là. Ouais, moi aussi. Là, à mon avis. Quel soit dès que c'était la lampe. Bah, moi aussi, mais. C'est pour ça que j'ai dodge ice hyper longtemps, mais ouais. Non. On a une petite question. Somaria, vous en pensez quoi? Bah, en vrai, ça aurait pu être pire. Bah, après, à ce moment-là, moi, il me reste pas grand-chose. Il me reste les 3 pendantes, quoi, donc bon. J'ai fait le bon choix en allant dans ice, mais. Dans ensemble. Mais... À ma poche, je n'ai. Non, j'étais content de Somaria. Ouais. Après, il y avait. Je pense que la petite clé de Thief Stone est sur Lumberjack. Et donc, le grappin est hyper tard. J'ai l'impression. Il manque une de Ice. On a eu super vite les clés de Castle Tower. Si c'était une petite clé de Skull Woods, il manque une de Pod aussi. Ouais. Mais voilà, on a quand même... voir, en fait, cette Somaria, en fait, c'est surtout pour... voler de... derrière justement un deeper down qui n'essaye même pas, et toi Coxla qui a fait 5 jolis petits essais de deeper down aussi. Ah, je sais ce qui a pas marché. Je me suis mal placé à la verticale, à la verticale, je crois. J'ai fait le placement avec la Somaria alors que maintenant la bombe c'est pas le même. Non, oui, bah ok, maintenant je sais pourquoi ça a pas marché, tout va bien. Oui, ça va. Le chat. Hein. En gros, pour faire simple, Kantos est allé directement, il a vidé l'eau et il y allait. Et quand on a vu ça, on a fait oh, aucun diver down dans le. Bon, on s'est posé des questions. Et on a été amusé par la Somaria. Et après, on t'a vu essayer et on s'est demandé si t'allais réussir. J'ai zappé le placement à la bombe, ouais, tant pis. Et donc, le chat remercie aussi Coxla pour le magnifique tuto. Voilà. Pardon, j'ai eu une coupure à ce moment-là. Le chat te remercie pour ce magnifique tuto, ce qu'il ne faut pas faire sur Maldorn. Oui. Oh. deux middle haut, là. Trois. T'es tombé deux fois, effectivement, et deux fois, il a. Tu t'es repris. Ah ouais, mais non, tu pensais vraiment que le chat allait oublier ça? Non, sûr. Le chat a une meilleure mémoire que nous, commentateurs. Tiens, d'ailleurs, petite question pour Kantos. Pourquoi t'as pas enchaîné Dark Palace et l'autre East Palace? Pourquoi t'as pas fait le miroir directement? Parce que j'ai l'info de l'arc avant et que du coup je chope ma cape dans Dark Maze. Du coup je me dis je chope la B4 TT aussi. Du coup je vais faire TT bumper into pod Eastern. Bon, ça me fait double deep pod, mais c'est requis. Oui, c'est requis. Oui, c'est requis. Vu les placements des arcs, c'est requis. Mais une fois que t'as l'arc,
pourquoi ne pas être allé directement dans Dark Palace, puis faire... Enfin bon, c'était juste... Enfin, surtout de dire, voilà, on va dans le... aller dans le Dark World pour, en fait, pour miroir avant l'entrée de chaque, en fait. Parce que tu es allé directement à Eastern, et après, tu as repris encore du temps pour aller donc, dans le Dark World pour aller à Pod. Je vois, oui. C'est my bad, mais... j'aurais dû faire ça. C'était la question de pourquoi il y avait quelque chose de particulier ou t'as juste... Non, c'était pas voulu, c'est juste que ça m'est sorti de l'esprit. J'essayais un peu de... Beaucoup de trucs à penser, d'essayer de chercher sa logique. Surtout qu'on a eu quelques... la cape pour l'arc. Et derrière, à partir du moment où vous avez la cape, où est-ce que se trouve le... cette lampe? Elle est où la petite clé des rats? L'Upside Swamp. L'Upside Swamp, ok. Et oui, j'ai cette information. Ah, la logique est pas... C'était dur. Mais sinon, ouais. c'était vraiment très joli. Hein. C'était Game, super. Vous avez 2 minutes, 2 minutes d'écart, 3 minutes, 3 minutes en temps réel. Ça s'est joué vraiment à la fin. Ça s'est joué sur ce Purple Chest, sur ce Quake. Sinon, j'ai envie de dire Smith Chain Strikes Again. Hein. C'est à cause de ça que j'ai été en bris d'égalité. Ouais. C'est à cause de ça que. Ben, je pensais que t'allais mettre plus de temps. Je pensais que t'allais mettre plus de temps à faire un Purple Chest, mais comme t'avais pas fait le, tu connaissant un petit peu, je me suis dit bon, mais le Purple Chest, il passe à la trappe. T'aurais fait le Smith et le Hammer Peg, je me suis dit bon, mais le Purple Chest, il passe à la trappe. Ce sera vraiment le dernier. Ah non, tant que je suis là, je le fais quoi, parce que oui. Sinon c'est vraiment mon last look. Je serais allé faire Colster limite avant donc. Ah ouais, mais là c'était vraiment parce que tu avais parce que t'avais pas fait le Smith. Mais oui. On s'est rendu compte au moment où t'allais faire le Smith, on s'est dit bon ben mais c'est vrai que on a vu Coxla faire le Smith et donc tout le chemin, mais effectivement pas Kantos. Ben, en fait tu t'es arrêté devant, mais t'étais parti faire donc la batte, et après t'es parti. Alors que tu n'avais À ce moment-là j'ai pas les Smiths. Oui, qui était dans le pod. Dans le U. Dans le pod, ouais, dans le U. Donc, pour information, j'ai rajouté les runners, je vous invite à les suivre, qui ont fait un super boulot. Vraiment excellent. C'était superbe à voir. Les commentateurs, ainsi que le tracker, qui a fait un boulot monstrueux pour cette site, qui était vraiment pas simple à traquer. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la communauté. On est toujours en hâte de voir de nouveaux commentateurs et de nouveaux trackers. Voir même de nouveaux joueurs. De nouveaux joueurs aussi, de nouveaux runners. N'hésitez pas. Venez critiquer ma façon de commenter aussi pour rejoindre Kratos et bien d'autres, hein, n'oubliez pas. et surtout, voilà, venez participer, venez apprendre. Il fait bon vivre. Les derniers mots pour de nos runners. Et sinon, pour information, on vient de nous faire signe. N'hésitez pas à venir commenter et traquer, parce qu'on a encore une course ce soir à 22h, ainsi que demain, on a 3 courses, une à 1h du matin, une à 2h30 du matin, et une qui sera un petit peu plus simple à voir pour nous, Européens, à 19h. Donc n'hésitez pas. Faites, si vous avez l'occasion, venez commenter, venez traquer et présentez-nous de belles runs. Puis même venir voir, parce que malgré tout, on a le deuxième match contre Zori Mills. Donc peut-être le match gagnant. Une égalité entre Cox et Niban. Pareil, à aller voir. Kratos,
Slap Sot Fred. De suite derrière, donc le même jour, pareil, le match retour, Kratos slaps Hot Fred. À voir. C'est toujours des bons. C'est toujours des belles runs. On est c'est les 16e, c'est ça? Tout ça? Si j'ai pas de bêtises? C'est pas le 16e encore. 16e, c'est que la ronde suivante. Là, c'est comme on était 24, il y a une première. Il y a des gens qui ont un bail et après, on te ramène à un arbre à 16. Donc, 16e, c'est là. D'accord. Prochaine ronde. Et je, donc, voilà. Je viens de voir qu'à 22h, on a une ambroisie. Et demain, à 19h, on a une ambroisie inversée qui peut être intéressant. Oui. Alors là, je crois que je commente l'ambroisie et j'ai déjà la migraine. J'ai déjà la migraine. Bon, allez, on a fini tout ce qui est pub. On laisse les derniers mots à nos runners et puis on va laisser la place au studio. Ou à votre vie, en général. Bah, merci à tous pour le travail fourni. J'ai encore à Cox là. Ça se joue à pas grand-chose, mais bon. Un peu déçu quand même, mais... C'est pas grave, Coxa, ça reste un très bon runner, donc il a le potentiel d'aller loin. Et je suis pas déçu d'avoir perdu contre lui. Merci à l'équipe, et puis merci à tout le monde. Voilà. Smith Chain strikes again. Ouais, merci beaucoup pour la rediffusion déjà pour les trois rediffusions toutes les séries, c'est vraiment vraiment chouette. On a beaucoup de chance, donc merci beaucoup pour l'investissement. Si vous d'autres personnes et disponibilité pour les autres matchs aussi, c'est bien d'arriver à les distribuer. Mais ouais, GG Kantos, hein, c'est une série qui me faisait peur. Hein. Pas te le cacher. Le match 3, il m'a un peu. J'étais un peu tendu sur la fin de la seed. Donc ouais. Content d'avoir gagné, mais GG beaucoup. Gros GG. Le plaisir de se recroiser pour faire quel ou quoi. Pas besoin d'attendre le prochain tournoi. C'est vrai. Ben voilà, c'est beau tout ça. Ces compétiteurs qui s'aiment dans la victoire et dans la défaite. Et pour les amicales. Des bisous à tous. Merci à tous. Ciao, ciao. Et bonne journée tout le monde. Bonne journée, bye.